Salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau top 10 de code QG spécial Trickshot. Alors je sais pas vous, mais moi j'adore vraiment le Trickshot, comment la manière d'humilier un petit peu un ennemi avec style, un petit peu comme des figures, ça me fait penser un petit peu aux figures de skate ou des trucs comme ça, et c'est toujours un petit peu le kiff pour moi. Alors on se retrouve tout de suite en 10ème position avec Beat Black qui est en MME sur Turbine, donc Black Ops 2 qui avec le Ballista, il va se faire un magnifique 360 avec le petit couteau, et hop, le petit noscope cross the map qui passe crème en wallbang j'imagine. Donc voilà, petit coup de couteau pour bien montrer qui est content. 9ème place, on se retrouve avec OEX Naze qui est en recherche et destruction sur WMD, donc Black Ops 1 qui avec le L96A1, si je me trompe pas c'est bien cette arme là. Donc l'ennemi est au loin, il fait un petit 3-6, hop boum, allez hop, le petit 3-6 en plus qui passe crème, et là il fait le noscope across the map. Alors il n'y a pas de killcam malheureusement, je pense que ça vient du mod studio, mais bon c'est quand même très très joli. 8ème place, on se retrouve avec Matt Daffe qui est en recherche et destruction sur Favela MW2, le jeu par excellence du trickshot. Et donc là avec le petit intervention, je pense qu'il va tenter une petite killcam, 3-6, baoum, le noscope cross the map qui passe bien. Et on va revoir ça, j'imagine là en killcam bien évidemment. Et regardez-moi ça, hop, le petit 3-6, hop, re-3-6 avec le glide shot, ça s'appelle comme ça, le petit effet avec le snipe qui passe over the shoulder. Et c'est vraiment très joli. 7ème place, on se retrouve avec Art Lowart qui est en zone de largage sur résistance MW3 avec le petit MSR qui est vraiment un très très bon sniper. Donc il se fait une petite feat pour commencer, il tente le petit noscope, voilà, le petit trickshot vraiment complètement au hasard où il a fait 720 et vraiment il est bien passé, donc tant mieux pour lui, bravo à toi. 6ème place, on se retrouve avec Takez en recherche direction Favela MW2, encore une fois c'est vraiment la map par excellence du trickshot sur MW2, déjà que c'est vraiment un jeu énorme, et là petit 300, hop là le noscope après avoir fait le double coup de couteau sur l'ennemi, donc ce qu'on va appeler un triple piece, il se fait le petit 360 sur, alors c'est vrai que sur le coup le trickshot est un petit peu basique, mais sur l'action vraiment est très très jolie puisque c'est vraiment en premier essai. Il fait son petit 3-6, le noscope, headshot, ça passe ultra crème. Donc bien joué à toi. Ensuite on se retrouve à la 5ème place et Remedy, pardon pour la prononciation. Donc sur Village MW3 avec le petit AS50 qui est aussi un très bon sniper, difficile à manier mais une fois que vous l'avez en main c'est vraiment magnifique. Et boum, alors ça c'est vraiment un spot, je pense qu'on le voit très rarement, surtout pour les killcams finales en R&D. Donc il monte sur la voiture, donc généralement c'est un spot de pré-shot pour le début. Et là il se fait ce petit 360 sauté, boum, avec le coup de couteau et le noscope qui passe vraiment super bien. 4ème place, on se retrouve avec ZWari qui est sur WMD BO1 L96 en or, vraiment magnifique. Et donc je ne sais pas si c'est le dernier, enfin non c'est un petit, hop là, donc là il va se faire vraiment un mid game trick shot, donc il va faire un petit switch avec son magnum viseur à cog et en 720, donc vraiment très joli wallbang, un wallbang improbable, donc c'est vraiment très joli. 3ème place, on se retrouve avec Nero Naze sur Quarry, ça aussi c'est vraiment une pure map de trick shot. Donc l'ennemi je pense qu'il est en bas du ladder et ce n'est pas celui qu'on voit qui a fait le trick shot, donc on va voir ça tout de suite en killcam, qu'est-ce qu'il a fait. Donc il flash un petit peu, il se flash lui-même. Voilà, il se flash lui-même. Donc on sait pas vraiment ce qu'il a fait. Et donc voilà, c'est un petit peu le style. Donc il saute, il est flashé, il arrive quand même à le tuer. Donc ça, c'est vraiment très très joli. 2ème place, on se retrouve avec Arm Eger, donc sur Carrier PO2. Et donc voilà, Black Ops 2, un petit sur recherche et extruction. Donc pour une petite killcam finale, on voit l'ennemi qui va être là. Et donc l'ennemi qui se fait bien flasher, neutraliser pour éviter qu'il se fasse tuer, effectivement. Et donc là, il va se faire un 720 avec charge électrique. Est vraiment très joli, alors avec une réaction vraiment au top pour le trick shot. Elle a Ice Ozat, c'est-à-dire je l'ai vu, effectivement, il saute, il change d'arme avec la MCMC et 720 avec le cancel charge électrique, donc vraiment très très joli en wallbang. Donc bien joué à toi, vraiment très joli trick shot, killcam final. Première place, voilà, on se retrouve avec Aero Samax sur Hangar Black Ops 1 et ce trick shot, cette killcam est vraiment magnifique. Donc il attend un petit peu, ses alliés tentent des trick shots, donc l'ennemi se trouve vraiment à l'autre bout de la map, vous voyez dans la petite fenêtre, donc c'est vraiment across the map total. Et donc là il va se faire un petit 720 vraiment très très joli qui termine en headshot et la réaction est vraiment magnifique. Et le trick shot franchement je le trouve vraiment superbe, donc vraiment bien joué à toi. Donc il est avec son petit Akimbo, il fait un petit 360 sur place, il saute et re-360 en l'air direct après et le noscope qui passe direct, donc il a bien fait d'attendre puisqu'au final il a vraiment sorti une killcam magnifique. Et en petit bonus, voilà, on se retrouve avec Xtage TF qui est en domination sur Red et qui va nous faire un petit trickshot, hop, boum, allez, qui va nous tuer quoi, il va nous détruire le drone, voilà, le drone, regardez, on va voir ça au ralenti. Donc il ne tue pas un ennemi mais il va éliminer un drone en 360 et voilà, drone détruit, donc vraiment très très jolie manière de tuer un drone, bien joué à toi.
victoire, c'est assez fun, ça rentre pas dans le classement parce que s'il n'a pas tué un ennemi, mais bon, ça valait le coup un peu d'être montré. Donc voilà, le top 10 est terminé en espérant que vous avez kiffé. En tout cas, moi j'ai vraiment grave kiffé, des très très jolis trickshots sur tous les Call of Duty, donc ça fait vraiment plaisir. Félicitations à vous tous les participants qui sont dans ce top 10, puisque vous avez vraiment fait des très très jolis clips. Spéciale félicitations bien évidemment au premier qui gagne la Subbox de CODQG pendant une semaine, et un merci à vous pour avoir regardé cette vidéo là en espérant que le top 10 vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis, un petit pouce vert également pour féliciter, ça fait vraiment très très plaisir. Ce sont toutes ces petites choses qui aident vraiment beaucoup à développer la vidéo, développer tout ça, et un énorme merci déjà pour toute cette activité, parce que je sais que vous le faites en règle générale. Les commentaires, ça aide vraiment beaucoup pour savoir votre avis, qu'est-ce que vous pensez, et les pouces verts, pour dire si vous aimez, n'hésitez pas à tiens, partagez la vidéo aussi si vous pensez qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes, ça fait également très très plaisir. Et en tout cas, on voulait vous remercier du fond du cœur à vous tous pour être là présent aujourd'hui pour ce top 10 spécial Trickshot. Et pour la semaine prochaine, ça sera un top 10 spécial humiliation troll, donc sur tous les Call of Duty, il n'y a pas de problème, n'importe quel, si vous avez une petite humiliation, un petit trollage, n'importe quoi, un truc bien marrant, bien fun, n'hésitez pas à l'envoyer à code QG à l'adresse qui s'affiche à votre écran. Sur ce, je vous laisse en espérant que vous passez une très très bonne début de cette année, l'année 2013, en espérant qu'elle soit vraiment magnifique. En tout cas, moi je vous le souhaite, que du bonheur, que des bonnes choses. Je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao, bye bye.